Ok, salut tout le monde, c'est Pino 2001. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit live. Il s'agit du deuxième match de ce TRF 2018. La team Rhône-Alpes contre la team PACA. J'espère que ça va pour vous. Moi, ça va très bien. On est ici en full speed. Alors, comme d'hab, j'arrive un peu en retard. C'est compliqué pour moi d'être là le dimanche soir. Mais voilà, c'est pas grave. On en est donc à Kid à 3 points et à Link à 2 points. En sachant que Link et Kid, je ne sais pas pour qui il joue. Alors attendez, je vais voir sur Discord. Kid joue pour la région Rhône-Alpes et 3 points pour donc Link qui joue pour la région PACA. Et donc voici encore un point supplémentaire pour Kid. GG. Je crois qu'ils ont déjà fini le full speed. Alors attendez, on va aller voir sur Discord. Bon, on arrive du coup. Hey, go les gars, on enchaîne là. Allez, les darts, c'est à vous. Allez, on est donc à 6 points pour la région Rhône-Alpes et 4 points pour la région PACA. Here to win. Let's go, let's go. Tia, il est même pas quoi au serveur, ça se trouve, il joue pas. Non, il joue pas, il est pas là. Il joue pas. Ah, ok. Apparemment, il est pas là. Voilà, ça va Fire. Va falloir mettre le plus de points possible. Y'a que Fire en face. Il joue Fire ou pas? Ouais, 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 Fire joue là. Il doit y avoir Link, du coup, et quelqu'un d'autre. Fire, Link, Alex. C'est ça. Ouais, voilà, ouais. C'est solide, hein, c'est pas. Pas sous-estimer. Y'a Fire quoi aussi. Hein. Yes. On est bleu ou rouge? Rouge. Ok. Allez, donc là on est en warm-up. Merci. Et on est de nouveau comme l'année dernière, la semaine dernière pardon, décidément, sur la map de Ben Sword et Yoshi. Donc rappel hein, que la team Rhône-Alpes a mis un petit 7-0 contre ouais, le Languedoc Roussillon la semaine dernière. Sur le wallbang, mec. Ouais, c'était ça là. On espère qu'ils vont pouvoir refaire de même contre la région PACA aujourd'hui. Ouais. Allez go, tu passes en rouge, ouais cochon. On a combien de warm-up en plus? Peut-être un ou deux, je sais pas. Un ou deux je pense, ouais. J'en ai aucune idée. Allez, okay. Deuxième warm-up a priori. Alors le tac de la région PACA, c'est trois petits traits, rouge, jaune et bleu, faut le savoir. Alors que le tac de la région Alpes, c'est le point RA, tout simplement. Avec ici Cocho et le skin Rhône-Alpes, fait par Groof, qu'on remercie parce qu'il est vraiment très beau. Et d'ailleurs je m'étais gouré dans la dernière VOD, j'avais dit Glast alors qu'en fait c'est Groof. Tellement safe le finish, what the fuck. Je vais mettre le son toujours actif, ce sera plus simple. Doucement, ça fait 6-4 au FS du coup? Ouais, 6. Okay. Encore 2. Pour nous? C'est ça. Ouais, pour nous. Ok. Cool. 2 warm-up encore. Encore 2 warm-up, donc on nous annonce dans le chat. Il doit sûrement y avoir des joueurs qui sont pas connus du côté de la région PACA. Et salut Arcalios, d'ailleurs, bienvenue sur le live.
Donc voilà, pour l'instant c'est un warm-up, c'est-à-dire qu'on ne joue pas. On attend sagement que cela avance. Que les warm-up se fassent, que les joueurs s'échauffent. Et je pense, vu qu'ils ont demandé du côté de la région PACA du temps, on attend sûrement que d'autres joueurs se connectent. Un petit peu le son des moteurs qu'on les entend. Bah, tranquille, la fin, Clem. Ouais, tranquille. Un petit peu. Hein. Ouais. C'est quoi cette cup? C'est le TRF 2018, le tournoi des régions de France. Encore en MS. Pour ça que là, on a la région Rhône-Alpes qui se bat contre la région PACA. Voilà, c'est encore un warm-up, hein, n'oubliez pas. Pour l'instant, rien n'est lancé. On voit d'ailleurs dans les dédits à gauche que. Attendez, je sais pas où est ma souris. Ah là. On voit dans les dédits à gauche, je disais que on a bien deux joueurs Rhône-Alpes parmi les meilleurs. Hein. Dédit 2 et Dédit 4, ce sont des joueurs Rhône-Alpes. Dédit 6, c'est un joueur PACA. Ce qui n'est donc pas mal pour les deux équipes finalement. Allez. Même si après évidemment les Dedimania dites-nous juste quand on peut signifie pas tout. Ça marche. Histoire qu'on prenne pas des walls mais, de merde. Mais ça voilà. Ouais. Ça montre un peu. Ouais. Allez, on va se concentrer un peu. Le live drop, ça m'embête. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez, en tout cas, c'est parti pour le match. Donc, on est à 0-0. Ça se joue, je crois, en 7 points. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est parti là pour les joueurs. Arcalios, c'est éliminatoire. Je vais vous montrer les brackets. Tiens, c'est une bonne chose de m'y faire penser. Alors, attendez, il faut que je les retrouve. Donc là c'est le winner bracket, je vais vous montrer juste après, et ici le loser bracket, voilà parfait, que je vais vous montrer juste après. Donc. Hop, alors. C'est donc éliminatoire mais en double bracket, hein. un winner, un loser. Hop, voilà, donc c'est un point ici pour la région Rhône-Alpes. La région Rhône-Alpes qui commence bien, je vais vous afficher vite fait sur une nouvelle scène mon navigateur Chrome pour que vous puissiez voir les arbres. Je suis désolé s'il n'y a rien actuellement, navigateur, non c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je vais remettre Trackmania du coup. Je vais pas commenter, je suis en train de faire ma scène. Attendez. Attention, donc les joueurs qui arrivent à la fin, et pour l'instant c'est serré, et visiblement c'est une nouvelle fois, excusez-moi, un point pour la région, Rhône-Alpes. Alors j'essaye de vous afficher ça, mais c'est compliqué, je sais pas pourquoi ça veut pas. C'est quand il veut, hein. Alors attendez, on va essayer de passer vite fait sur le deuxième écran. Non, ça veut pas. Hop, je vous remets le jeu.
Bon, alors attendez, je vais les télécharger et je vais vous les afficher sur, hop, là, sur notre scène, je disais. Compliqué, je suis désolé, je suis pas organisé là, c'est ce soir, c'est fait à l'arrache encore une fois. Pas facile de m'organiser pour moi pour faire ces petits live commentés, ces petits casts, devrais-je dire, de des matchs, mais vraiment ça m'intéresse, j'espère que vous aussi. Donc voilà, veuillez m'excuser de la piètre qualité de ce live. Tandis qu'ici, voilà, vous le voyez en haut à droite, 3 points rouges. Ce qui nous fait donc un nouveau point pour la région Rhône-Alpes. Qui est donc la région Rhône-Alpes pour l'instant à 3-0 sur la Dirt. C'est bien, c'est très bien. Bravo à eux. On espère qu'ils vont continuer. Et c'est reparti pour le quatrième point du coup. Tandis que je suis toujours en train d'essayer de faire la scène avec les brackets. Et oui, c'est du direct live. Et du coup, c'est de la qualité pourrie. Hop là. Voilà. Là, vous avez le winner bracket. Donc je vais vous l'afficher juste après, celui-là est fait. Et comme ça les scènes seront faites pour la prochaine fois, tandis que la team Ronald devrait... Oh, Cocho qui safe, attention. Alors pourquoi ils disent NT, j'ai loupé un truc. Ah, des locales, Dédit 3 pour Fire, bravo à lui. Dédit 3 pour Fire, et c'est un point pour la région PACA. Enfin, devrais-je dire. Je pense qu'ils sont contents. C'est cool pour eux. Vraiment. Hop, voilà, les scènes sont faites. C'est pas trop tôt. Le format du loser bracket est très bizarre. Mais... Anyway, c'est pas très important. Hop. Donc voilà, comme ça je pourrais vous le montrer après. On va retourner commenter, hein, parce que c'est pas le tout de faire des scènes, mais le stream est inintéressant si on commente pas, on est là pour ça. Donc ici on a nos trois joueurs Rhône-Alpins qui sont au combat, les trois devant avec Alex. Et Alex qui empêche les Ace hein, depuis tout à l'heure. A chaque fois il vient se confondre et ça va sûrement être un Ace ici pour la région Rhône-Alpes cette fois-ci. Exactement, voilà, le petit Ace. Et donc je vais en profiter pour vous montrer... Le winner bracket du TRF, voilà. Donc vous voyez sur tout en bas en fait, la région Rhône-Alpes qui a gagné contre le Languedoc-Roussillon et qui revient donc pour se battre contre la région PACA. Et ici vous avez le loser bracket, donc c'est ceux qui ont perdu sur le winner bracket qui sont ici. Donc voilà les matchs d'aujourd'hui, de ce soir, mais attention, c'est pas tous à la même heure, certains sont passés. Je sais notamment que l'Île-de-France a mis 22 points contre la Bretagne qui en a mis 13. Donc voilà, la Bretagne qui s'est fait éliminer et qui passe en loser bracket par l'Île-de-France. Retour à notre match. On va peut-être enfin s'y mettre sérieusement. Le petit PACA versus Rhône-Alpes, Rhône-Alpes versus PACA. Et pour l'instant, eh bien Fire qui mène avec Alex les trois Rhône-Alpins. Attention Cocho ici qui a doublé Alex. Fire peut-être qu'il risque de se faire doubler sur la fin, ça va être limite. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est incroyable. Merci Left03 pour les 100 baits. Incroyable cheer. Merci à toi vraiment. Ça fait hyper plaisir. Ça fait vraiment plaisir, mais un truc de fou. Merci à toi. Et bienvenue sur le live du coup, puisque je crois que je ne t'ai jamais vu, mon petit Left03, bienvenue à toi et merci. J'espère que tu vas apprécier ce contenu de qualité, ou du moins, de presque qualité, puisque c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est compliqué quand je suis en retard comme aujourd'hui. On est reparti, donc pour l'instant, toujours avec la vue sur Cocho, hein, et notre petit skin Rhône-Alpes. Exactement, tu régales mec. Exactement, Moutro a tout à fait raison, tu régales. C'est parfait ça, merci beaucoup.
Et pour l'instant c'est serré, on a eu une petite erreur du côté de la région Rhône-Alpes. Je crois que c'est Clem, non. Si c'est Clem, voilà. Speak English, oh sorry. Welcome in the stream, so left 003. Sorry for my English, it is very bad. I have a very bad accent. I'm really sorry. But anyway, thanks for the bits, the 200 bits. It's really, really, really cool from you. Thanks, man, and welcome. I hope you will enjoy this match between the Région Rhône-Alpes and the Région PACA. And thanks again for the 100 of bits. So 300, wow, it's so cool. Really, really, thanks a lot. Hope you will enjoy. And welcome, and sorry for this bad quality today. The connection is not very very happy for that I stream. And anyway, now let's try to focus. So I'd come back in French in the stream, of course. But if you want, I can speak in English. I can do some resume in English if you want. This is not a problem. Merci aussi à tous les follow. Je vois qu'il y a plusieurs follow là. Merci notamment à Moutro et à Chibo qui viennent de follow. Merci les gars, c'est vraiment super sympa. Bienvenue sur le live. Pendant ce temps là, la région Rhône-Alpes se met plutôt bien puisqu'elle décroche encore un nouveau point. On est donc à 6-2 pour la région Rhône-Alpes. C'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. La région PACA qui est un peu en PLS, vous le voyez, ils se disent désolé et tout, c'est pas facile pour eux. On va écouter vite fait ce qu'ils disent dans le chat Rhône-Alpes, dans le Discord Rhône-Alpes. A toutes, nos problèmes, je préf, sinon t'es mort. J'ai pas compris, mais d'accord. Du coup, on a une petite erreur d'ici du côté. Mad, dans tout. Cochon, que tu sois premier. Exactement. Cochon qui doit être premier. Voilà, parce que ici derrière on a les trois paquets qui suivent. Oh non, j'ai raté. Jonath, Alex et Fire. Même si Alex vient de faire une erreur, vu que Jonath a fait une erreur, il y a Underdog qui revient pour la région Rhône-Alpes. Ah, j'ai tout donné. Donc pour l'instant, ouais, Cocho, voilà, qui a tenté de safe, hein, mais Fire qui s'envole. Tac. À tous. Ah, désolé. Désolé si je fais une erreur de langage. Et du coup voilà, on se retrouve avec Fire et Alex et Jonah qui mettent des points. Donc la région PACA récupère un point, ça fait du bien, je pense qu'ils peuvent respirer un peu. Ouais, y'a tout le monde qui a crash sur Fire quoi. On est donc un petit 3-6-3. Je pense que la région PACA respire un peu, ça fait du bien pour eux, c'est sûr. Pour l'instant, toujours les points pour la région Rhône-Alpes, hein, puisqu'on se rappelle que sur le full speed ils ont mis 6-4. Donc pour l'instant il y a 6-3, mais ça va en 7 ou 8, je ne sais plus. 7 je crois pour la dirt. Donc voilà, faut qu'il confirme là les Rhône-Alpins, qui nous mettent un petit point supplémentaire. Et ça a l'air plutôt mal parti, puisque Underdog et Clem sont 2ème et 3ème, et que derrière ils sont suivis par les 3 PACA. Attention ici, voilà, Underdog qui a une trash pas parfaite, et Jonath qui en profite pour revenir. Où est Cocho? Oh, ça a tapé! Ça a tapé du côté bleu, j'ai pas vu qui c'était. Est-ce que c'est Alex? Non, c'est Fire. C'est Fire qui a tapé, voilà. Allez, maintenant il faut aller chercher les points ici. Ça va être compliqué pour Clem de garder sa première place. Voilà, vous l'avez vu, il a pris trop large. Il va peut-être réussir à carotte le point ici. Oh, et non, c'est un point pour Alex. Mais. Ah non, il n'y a pas de mai. Je pensais pas qu'il y avait. Il n'y a pas de mai. La région PACA qui pour l'instant arrive à aller, chercher des points. C'est un nouveau point bleu. Mais qui sert une fin quoi. C'est un nouveau point bleu et il parle tellement fort que je m'entends plus. Donc voilà, pour l'instant la team PACA qui revient, hein, le comeback, on est en train de voir. Waouh, c'est chaud. Allez, faut se ressaisir là les Rhône-Alpins. Il faut marquer ce point, confirmer un peu cette dirt. Et pour l'instant, eh bien, c'est très serré, tout simplement. Attention, ça a tapé, j'ai vu quelqu'un qui a tapé, je crois que c'est Jonath, oui. Et donc là, on a les trois
en alpin qui sont plutôt loin. Ah non, il y en a un qui est deuxième, je crois. Clem est un peu en retrait. Kocho, voilà, qui se bat avec Underdog contre Alex et Fire. Ça va être serré pour prendre des points. Fire qui a touché, en théorie, c'est bon. Il faut juste que Clem finisse bien. Attention ouais, derrière à ce que Clem va réussir à bien finir. Et voilà, c'est un point Ron Alpin. C'était un bon run, absolument, ils ont raison de dire GR. C'était un bon run. C'est bien, c'est bien. Dernier point à aller chercher, ça va en 8, excusez-moi. Allez, il faut le mettre celui-là, donc la région Rhône-Alpes. Il faut y aller. On va se mettre, on va rester sur Underdog pour le moment. Les trois Rhône-Alpes qui sont devant, il y a Fire avec, avec eux. Pas beaucoup d'écart pour le moment. Le joueur avec son skin métallique, très joli skin métallique d'ailleurs. J'aime beaucoup bien, bravo à Getax qui a fait le skin de cette team. Et on a vu quelques joueurs se démarquer, il s'agit de Clem et Fire. Alex est au coude à coude avec Underdog, il est un peu trop freiné ici, il a pris un peu de concours. Ça devrait être un point Rhône-Alpin. S'il n'y a pas de bêtises, attention quand même au retour d'Alex peut-être. Non, il a grid, mais ce n'est pas passé. Parfait. Et ça va être un point d'Hurt Rhône-Alpin. Nice Clem. Voilà. C'était dégueulasse, GG. On a pas été bon. Et donc on a eu 6-4 sur le full speed. Le full speed 2, pardon. 6-4 sur le full speed pour la région Rhône-Alpes. 7-4 ici pour la région Rhône-Alpes. Ce qui nous fait donc un. Ah oui, parce que 6-4. What? Un 14-8 du coup. Et donc on passe sur le tech. Donc ça s'enregistre à 14-8, alors j'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. So we are at 14 for the region Rhône-Alpes, and 8 points for the PACA. So at the moment, the Rhône-Alpes is going to qualify itself, but we have the tech to do, so this could be the region PACA. That will qualify itself. So everything is not done for the region Rhône-Alpes. They have to carry during the tech. Carry plutôt, pas carry. Et donc en français, excusez-moi parce que voilà, je parle un peu anglais avec un accent de merde d'ailleurs. Voilà, en français ça donne. Donc on a 14-8 pardon pour la région Rhône-Alpes. Donc rien n'est fait encore. Si la région PACA se démerde bien sur le tech, qu'elle met un petit 7-0 des familles, on se retrouve à 15-14 pardon, pour la région Rhône-Alpes. Donc elle peut encore se qualifier, ça va être compliqué. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri d'un petit 0 point pour une équipe ou une autre. Donc voilà, il faut espérer que les Rhône-Alpes mettent des points s'ils veulent se qualifier. Ils n'en ont qu'un ou deux pour être sûr à mettre. En théorie c'est plié, mais en pratique... ça ne l'est jamais totalement dans Trackmania tant que les points ne sont pas acquis. On va avoir donc 4 joueurs en tech. On retrouve les mêmes maps que la semaine dernière hein, d'ailleurs pour ceux qui reconnaissent. On va avoir Papou, Lookid, Nomin et Link pour la région PACA. Et pour la région Rhône-Alpes, on va avoir Kocho, Skydir, Zarox et Feed qui vont les représenter. Nous représenter, devrais-je dire, puisque je suis de cette région. Pour le moment, en tout cas, c'est le warm-up. Excusez-moi. So the Rhône-Alpes lineup will be Feed, Zarox, Kocho and Skydir and the PACA. Lineup will be Papou, Nomin, Lookiden, Link for the tech. At the moment it's the warm-up, don't worry. It's just a training. J'imagine que la cup est fermée au Pro Arcalios. Pas vraiment. C'est-à-dire que chaque région a pris les meilleurs de sa région. souvent via des qualifications, je sais en tout cas en Rhône-Alpes on a fait ça, on a fait des qualifs pour sélectionner les 24 meilleurs. Donc voilà, chaque région a sélectionné les 24 meilleurs de la région pour les représenter.
Donc il n'y a pas que des pros. On retrouve aussi des joueurs un petit peu, je dirais pas lambda, mais plus, plus commun, plus classique. Après, oui, il y a quand même beaucoup de pros, on va pas se mentir. On a des régions comme l'Île-de-France qui sont à un énorme pourcentage de pros. Et on a des régions comme la Bretagne qui n'est pas du tout un énorme pourcentage de pros, mais qui pour autant se débrouille plutôt pas mal, puisque voilà, ils ont gagné leur premier match et ont perdu le deuxième. Mais bon, face à l'Île-de-France. Donc voilà. C'est pas total. Ça va pas tarder à bouger. Hop là, j'ai la chef. Et voilà, on restart la map. C'est parti pour le tech. Donc voilà, j'espère que ça va être assez sympa. Et que la team Ronald va mettre un ou deux points histoire d'être sûr de gagner le match. So let's go for the tech. We have to reach the 7 points. And here it is. Donc voilà, on est parti. Toujours la team PACA en bleu et la team Ronalp en rouge. Pour l'instant, c'est les PACA qui sont devant. Seul feed pour le Ronalp est un petit peu en avant. Sinon, on voit qu'ils suivent tous. Hein. Les 4 PACA, ils sont là. Il y aurait pas feed, ça ferait un ace. Donc c'est parti quand même. Et la région PACA, voilà, qui s'en sort bien. J'ai pas l'impression qu'ils aient de skin. C'est-à-dire que j'en vois aucun avec bah, Papou a bugué. Lukid n'a pas de skin. Nomine a son skin perso. Et Link n'a pas de skin. Alors, j'ai pas l'impression qu'ils aient de skin, ou alors, ils n'ont pas de locator, ce qui est tout à fait aussi possible, ce qui fait qu'on ne le verrait pas. Et on a Zarox et Fit peut-être, qui vont venir empêcher le Ace. Oui, Fit qui est venu empêcher le Ace. Et la région PACA qui, actuellement, a mis des points. Hein. Elle a plutôt éclaté la région Rhône-Alpes sur ce premier run. Vous le voyez. Plus d'une seconde d'écart entre le deuxième Rhône-Alpin et le premier... premier PACA. Donc voilà, il va falloir, pas trop faire ça, hein, les Rhône-Alpins, là. On va rester sur Link, sur la région PACA, pour diversifier un peu le POV, le point de vue. Donc c'est reparti pour le deuxième point à jouer en tech. Et pour ceux qui ne savent pas, la semaine prochaine, ce ne sera pas les mêmes maps. Hein. C'est-à-dire qu'on a gardé les maps sur les deux premiers matchs, mais sur les matchs suivants, ça change. Tous les deux matchs, en fait, ça change de carte. On a ici un petit fail du côté des bleus. Ce qui nous mène donc à deux bleus devant, Luki dénomine pour la région PACA. Et en poursuite, Feed, Zarox et Skydir. Ça peut-être être un point Rhône-Alpin si... Oh, c'est chaud. Fid est allé marquer le point, voilà, c'est un point Rhône-Alpin. Enfin un. Donc là, voilà, c'est le moment où la région Rhône-Alpes empêche la région PACA de se qualifier. Il y aurait égalité si la région PACA mettait tous ses points, nous mettait un 7-1. Donc voilà, encore un point à mettre pour la région Rhône-Alpes et elle se qualifie au match suivant. Je pense que c'est un peu tendu là sur Discord, on va aller écouter vite fait. Je vais me voilà, enlever le non-son. Donc là, normalement, on entend le Discord et voilà, personne ne parle, vous voyez. Enfin, vous l'entendez. Feed est bon en tech, hein, visiblement, puisque... Enfin, sur cette carte en tout cas, puisqu'il est tout le temps devant, même si le mode spectateur bug et que du coup, on ne le voit pas. Ah, ça y est, il apparaît. Ah, il apparaît que par moment, c'est un peu dommage. Mais bon. On a Nomine ici qui a... Oh, je crois qu'il avait nos drifts maintenant. Qui a donc la première place pour le moment. C'est serré entre les deux équipes là pour le prendre le premier point. Vous le voyez ici, on a trois bleus et deux rouges qui se tutoient. Hein. Littéralement, ils jouent des coudes. Et ça va être à celui qui va prendre la meilleure trage ici. Ça m'a l'air d'être une trage PACA. Même si Feed, non, Feed, voilà, est allé chercher le premier point. Merde, c'est drôle. Et c'est un point quand même pour la région PACA. Oh, c'est bien les gars. C'était un coup de run. 8, c'était plutôt sympa à voir, même si le mode spec. Allez, let's go. Allez, il faut aller chercher ce point pour la région Rhône-Alpes. Ah, égalité. Égalité, je crois. Parce qu'il y a toujours 1-1. Oui, il y a eu 18-18, vous le voyez ici en haut à droite. Sur le troisième run. Donc égalité. Toujours 1-1. Allez, on espère que la région Rhône-Alpes va nous mettre un petit point là, histoire de se qualifier, d'être sûr. Plutôt sympa.
Mais pour l'instant, c'est compliqué puisque les quatre bleus sont tous ici. Aucun n'a fait d'erreur, tout comme les quatre rouges. Donc bon, c'est encore faisable, mais c'est serré. Je vais me mettre sur Fit qui est devant. Non, je vais me mettre sur Skydir qui est deuxième. Voilà, Skydir qui est en train de se faire doubler. Ici, il tente des trajets un petit peu alternatives. Il tente de prendre de la vitesse. Allez, ça va être serré ici. Attention, normalement, on a Fit devant pour la région en Alpes. Oh, Skydir, voilà, qui a failli taper le mur. Et qui, du coup, donne le point à la région PACA. J'ai un bug. Dommage. C'est pas grave, allez, continue comme ça, Fit. Let's go, let's go. Allez, il faut y aller, là, il faut y aller. Un seul point suffirait pour nous assurer le prochain match. Donc ce serait bien de le mettre. Skydir, vous voyez qu'il n'a pas la même trash que tout le monde, c'est assez étonnant. Mais qui pour autant a un bon temps sur cette carte. C'est assez intrigant. Il a l'air de safe un petit peu plus les trash. Ça dépend des virages en arc. Mais ouais, c'est assez marrant à voir. Pour l'instant, en tout cas... Oh, il a touché sur le mur. Ah, ça va être compliqué ici de mettre les points. Kocho qui est en retard aussi. Il nous reste plus que deux personnes de la région Rhône-Alpes. Et voilà. Vous voyez que seuls Zarox et Fid peuvent empêcher le Ace. Et Fid a l'air d'être un peu en bas. Zarox va empêcher le Ace. Et heureusement... Dommage. Heureusement qu'il était là. Est-ce que tu es joueur Rhône-Alpes du coup? Non, je suis streamer. Je casse les matchs Rhône-Alpes, streamer Rhône-Alpes non officiel. Allez, pas battre, les gars, j'ai pas pu faire les qualifs Rhône-Alpes parce que j'étais en vacances, donc j'avais pas internet. Les propres. Pile le jour où ils ont fait le qualif, donc je ne suis pas joueur parce que je les ai loupés. RIP moi. Allez, c'est reparti là. On a 3-1 sur ce tech pour la région PACA. Allez, il faut absolument aller mettre ce point supplémentaire pour la région Rhône-Alpes. Et je pense que les joueurs le savent et que du coup il doit y avoir un petit peu de pression. D'où le fait qu'il fasse quelques erreurs. Attention, voilà, ici on a Nomine qui a fait une erreur. Nomine qui est un peu en retrait. J'ai l'impression de voir que 3 Rhône-Alpins là. Non, c'est bon, les 4 sont là. Allez, maintenant il faut safe. Il faut safe. Ah non, il faut pas safe. Il faut quand même mettre des points. Fid qui devrait aller chercher cette première place si tout se passe bien. Sur ce combat avec Papou. Attention, c'est serré. Oh, il va falloir que Zarox aussi grid un peu. Qu'il aille battre au moins un bleu. Et ça devrait le faire. Il peut venir. Oh, attention. Nice. Draw. Pour nous, ça, non? Si le bleu ne finit pas. Putain. Ah, il a fini, dommage. Ah, dommage. Allez, laisse comme ça. C'est impossible, là. Allez. On lâche pas. Allez. Allez, les gars, on lâche pas. Il suffit d'un point. Come on. Let's go. Il suffit d'un point. Si vous gagnez, ça part sur des tacos à la GA. Oh, mec. Toujours 3-1 du coup pour la région PACA. Puisque ça a fait match nul. C'est serré en tout cas hein, sur ce tech. Autant en full speed c'était un peu serré, mais le joueur en alpin s'est quand même démarqué. Autant en dirt c'était serré sur la fin uniquement. Autant là c'est vraiment serré. Les points se jouent à rien, vous le voyez. C'est vraiment un beau match en tout cas. Hein. Le petit PACA contre Rhône-Alpes là, il est agréable à voir. Et je suis plutôt content de le caster, même si j'ai loupé le full speed comme la dernière fois. Ça va être compliqué ici. Il va encore falloir grid pour les joueurs Rhône-Alpins s'ils veulent aller chercher le point. Puisque sinon, on n'a pas pour Link. Ils vont le mettre. Oh, attention, Fit qui a touché. Non, ça va être un ace de l'équipe PACA. Aïe, un ace. Ils sont chauds. Allez, les gars, on lâche pas. Ils sont là. Ils sont là, les PACA. Combien de rounds on peut faire? Ah là 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 là. Allez, plus que deux. Allez, go. Allez, exactement comme Tristan l'a mis, il faut se réveiller, le Ronald. Je suis pas sûr qu'ils soient endormis, à mon avis, c'est plutôt un petit peu de pression. Peut-être aussi un manque de train, hein. Mais voilà, ce n'est pas fait pour l'instant. Ils ne sont pas disqualifiés. Donc il ne faut pas mal parler.
Et on voit, hein, on voit que Nomine essaye de d'allonger au plus possible ses courbes, de tendre ses courbes, les trajectoires. Il prend vraiment les virages de façon dangereuse. Il essaye de tryhard un peu d'aller chercher le point, mais pour l'instant ça ne marche pas. On a Zarox, Fid et Skydir qui sont là peut-être. Ça peut être le moment d'aller chercher des points. Ça peut être ce moment. Oula, ça va être compliqué quand même parce que là on a les 4 bleus qui suivent. 2 rouges. Nice, ah, c'est bon, nous, les gars. Ça y est. Ça y est, c'est un point. C'est un point pour la région Rhône-Alpes. Vous avez le droit de sécuriser, vous en mettez encore un on win, ok? Allez, go, les gars. Allez, go. Allez, go. Plus qu'un, les gars. Allez. Et voilà, donc là, si la région PACA marque tous ses points, on est à 21-21. Il est sécurisé. Maintenant, il faut mettre le point décisif. Le point qui nous permettrait de se qualifier sur le match suivant dans le winner bracket. En tout cas, voilà, le 21-21 est secure dans le cas où tous les PACA mettent les points suivants. Plutôt... Ouais, ma phrase était un peu bizarre. Je voulais dire dans le cas où les PACA mettent tous les points suivants. C'est mieux. Attention ici, Nomine, ça a touché. Il a perdu un petit peu de temps, un peu de vitesse. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire la différence pour les Rhône-Alpins. On a ici Zarox, Kocho et Skydir qui sont tous les trois devant. Il va falloir aller chercher ce point. Fid qui est pas loin non plus, même s'il a loupé son drift ici. Allez, les joueurs Rhône-Alpins, là, c'est le moment. C'est le moment de le mettre, celui-là. Ils sont plutôt bien. Allez, ça devrait le faire. C'est drôle. Oh, c'est drôle. C'est fini. C'est encore un draw. C'est encore une égalité. Encore, les gars. Incroyable. Encore une égalité. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. 3 égalités déjà sur le tech. Incroyable mais vrai. C'est dommage, hein. Là ils avaient une belle occasion de marquer ce petit point qui confirmerait. On entend même le clavier. Ouah, c'était pris large ici pour Fid. Il tente vraiment de drifter au minimum, de prendre toute la vitesse possible. Regardez ça comme il prend large les virages. Il essaie de perdre le moins de vitesse possible et pour l'instant ça ne paye pas plus que ça, même s'il est parmi les premiers du groupe. Il se fait quand même un petit peu rattraper par ceux qui prennent des virages un poil plus courts. Mais c'est une bonne stratégie, regardez, voilà, il sort ici avec plus de vitesse et repasse parmi les premiers. Même si on a Nomine qui est loin devant, what the fuck. Oh, il a touché. Il a touché Fid, ce n'est plus pour lui. Ça risque de partir sur un ace bleu, un ace PACA. Oh là là, ça va être serré, peut-être que Kochou va venir troubler ce ace. Attention à lui. Oui, il a plus de vitesse, il va troubler le ace. Heureusement qu'il y a Kocho. Et ça part sur un 5-2. Allez, c'est faisable, les gars. Pour les PACA. Allez, les gars, un point et on y est. Let's go. On se focus, on se concentre. On fait un seul bon run et ça suffirait. Voilà Zarox ici qui passe premier sur le CP avec Skydir. Ils ont un bon start, mais souvent ils se loupent sur la fin, j'ai remarqué les Rhône-Alpins. Hop, purée, Zarox qui a touché ici. Allez, maintenant il faut y aller là. Fid, Skydir, Kocho. Ce sont les trois Rhône-Alpins qui sont encore un petit peu dans ce run, puisque Zarox est un peu loin. Il faut y aller là, c'est le moment où il faut tout donner. Il nous reste 2 points, 2 ou 3 runs en théorie, pour choper ce point décisif pour la suite du tournoi. Allez, Fid, pour l'instant, qui peut peut-être aller chercher la première place, même s'il a pris très large, très très large. Il a plus de vitesse, mais ça ne va pas suffire. Et non, dommage, c'est encore un point bleu, un point pour la région PACA. Allez, 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 allez. Allez. Je passe surtout pas. C'est le moment où il faut marquer le run, le point qui fera basculer le match. Parce que sinon, on va finir sur 21-21. Donc là on joue de son mieux, tout le monde se concentre et on marque le point. Et donc on a Fit pour l'instant qui est en première position. On voit que Kocho suit bien. Allez voilà, à part Link, les 4 Rhône-Alpins sont devant. Pour l'instant le groupe de 8 n'est pas défait, hein. Finalement les 8 joueurs sont là. Ils sont tous au coude à coude. Oh là, le mode spec qui a bugué et qui m'a fait peur.
J'ai cru voir quelqu'un aller en haut à gauche, c'est la 4G là qui déconne. C'est ma connexion qui déconne. Allez, pour l'instant Link est là pour empêcher le Ace, mais rien n'est fait. Ça a été un peu large ici pour Feed. Sur les deux derniers virages, attention. Oh, Link qui a touché. Allez, allez les gars. Let's go. Allez les gars. Allez les gars. C'est pour qui? C'est drôle. Oh non. C'est putain. Et c'est un égalité. Ah, c'est pas grave. C'est un égalité supplémentaire. Encore un égalité. Ce match ne s'arrêtera jamais. Ce match ne s'arrêtera jamais. 4 égalités dans le match, je crois. Enfin, dans le tech en tout cas. Incroyable comme ce match est serré. Ils avaient une occasion en or ici. Les joueurs Ronalpin. Mais ils peuvent en créer une autre. À eux d'en créer une autre. Et pour l'instant, c'est faisable. Hein. C'est faisable puisqu'ils sont là. Ils sont là, les joueurs montagnards. Ils sont au coude à coude avec les 4 autres joueurs de la mer. Vive les clichés. Mais voilà, pour l'instant, les 8 joueurs sont là. Personne n'a fait d'erreur pour le moment. Léger avantage au bleu, mais rien n'est fait. Feed qui a touché. Feed qui a touché, ça risque de donner l'avantage au Paka. Skydy Resarux devrait empêcher le Ace et ça va être un nouveau point Paka. Oh là là, non, c'est un Ace. C'est un Ace. Avec un local record ici pour le guide de la région Paka. Allez les gars. Allez, celui-là on le met les gars. Allez, ils ont la pression, go go. C'est celui qu'il faut mettre. C'est celui qu'il faut mettre. C'est ce point-là, c'est maintenant. Tout le monde l'attend. C'est celui pour empêcher l'égalité. Pour empêcher le 21-21 ou le 22-22, je ne sais plus. Pour empêcher le draw sur le match. Il faut mettre ce point en tech. Et pour l'instant, encore une fois, c'est groupé. Hein. Là, oh là 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 là, c'est serré, c'est serré. Je ne sais que dire. Oh, c'est large ici pour Zarox. Il a dû freiner un peu, il a dû release un tout petit peu, je crois. Et on a un petit groupe qui se détache ici avec un Ronalpin et deux de Paka. Trois Paka. Il y en avait un qui n'était pas affiché. Oh là là, ça s'annonce mauvais pour la région Ronalpin. Attention, c'est pas fini. Peut-être qu'ils vont trop de grid, non. Oui, oh, attention, un joueur qui a grid ici. Et non, ça va être un point pour la région PACA. Aïe, 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 aïe. Dommage. Dommage. Attends, il est fini? Aïe. Dommage. Il y a drôle du coup. Faut qu'on refasse... Ah oui, il y a drôle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a drôle qui sort la tech. Tech, les gars. Oh putain. Tech. Sérieux? Ouais, faut qu'on gagne. T'étais en quoi, en Denisman? Mais y'a pas à un point, y'a 16-16 là. Mais non, mais c'est fini du coup, y'a 16-16 et c'est celui qui a gagné la map tech qui gagne. Ah putain! Ah bon? Merde. Bah je pense que c'est ça. Je crois que c'était genre Decider. Ah, c'est baisé! C'est sûr? Ah, je sais pas en fait. Je sais pas en fait. Ah, Link dit qu'il faut la rejouer du coup. Faut la rejouer. Faut la rejouer! Bon, mais c'est bon, nice! En 8 faut rejouer? Je faut la rejouer, ouais, mais c'est genre faut la rejouer. Allo, gagne, je crois. Allo, oui, oui, faut la rejouer, les gars. Vous dites de la merde, vous dites de la merde. Quoi? En gros, si imaginons le match est égalité, en gros, on jouait un point sur le tech là. Un point? Ah, un point, c'est tout? C'est pas ceux qui ont gagné. Bah, en gros, à la base, normalement, tu dois jouer le tech là, 8 points normalement. Bah, c'est bien, hein. Un point, ça nous va, nous. Un point, quand on fait qu'on fasse ça, tu rejoues toute la main. Non. Les gars, c'est le point là, c'est le point. Allez, on a le but en or au foot, faut faire le run en or là, les gars, c'est pour vous. J'ai pas compris comment j'ai fait ça. Il est pour vous, les gars, le run en or. Je suis rentré dans le mur. T'étais dans le boudin. Allez, les gars. Parce qu'il faut que je joue clé normalement. Oh, faut donner notre vie là. Voilà. T'es en 1 point. Ça nous arrange, hein. Allez, les gars. C'est, point zéro, hein. C'est le run en or, il est pour vous, les gars. Ça nous arrange. Mec, là, c'est full world record. C'est parti. Allez, les gars. Warm up ou pas?
Alors là, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui se passe, l'admin, donc Ekta, est venu voir sur notre Discord pour nous expliquer que jouer qu'un seul round, il y a un seul round à faire, et c'est celui qui gagne le round qui gagne le match. Donc là, c'est warm-up, un échauffement, et ce sera un point en or. Celui qui va gagner le point va gagner le match. Et permettre à son équipe de continuer en winner bracket contre soit la Normandie, et soit la Quitaine. Ça paraît bizarre, j'en ai plein qui me disent que c'est 8 points sans tennis. Non, mais c'est l'admin qui nous a dit. Donc. Ouais, c'est ouais. L'admin, je fais confiance. Moi aussi. Donc voilà. Qui va jouer contre la Normandie et la Quitaine, ou la Quitaine, pardon. Est-ce que ça va être la région Rhône-Alpes, est-ce que ça va être la région PACA? Et nous allons savoir dans un run. Je vous ai dit de la un run et on saura. On est d'accord. Putain, ah, Mine qui se trompe. Attendez. Mine qui se trompe. 5 points. 5 points. Ah, c'est les 5 rounds de votre vie. Bon, là, il va falloir sortir le grand jeu là. Il va falloir sortir les doigts du cul là. Allez, on est dans la salle, hein. Normalement. Ouais. Du coup, c'est 5 points sans tennis mode. Ouais, voilà. Allez, les gars. Let's go. Good luck. Vous deux jouez. Allez, les gars, c'est le moment. Allez, les gars, c'est pour vous. Il est pour vous celui-là. Donc, bon, l'admin s'est trompé. C'est en 5 points. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. 7 en 5 points. Donc voilà, ça se joue sur 5 points. C'est le premier à 5 finalement sur la map tech qui va gagner. For the English guy. So now we are in the match because we did a draw, an equality in the match. And the admin of the cup said that we have to do 5 points to decide who's the best between the two teams. So the first at 5 points will win. Et donc on est pour l'instant sur le premier des 5 points à aller chercher. Ça va sûrement être un point PACA. Effectivement, voilà. C'est un point PACA. NP prochain. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour la région Rhône-Alpes. Il est trop chaud. S'en fout. Pendant ce temps-là, on m'informe que l'Alsace-Lorraine a gagné à 21. 21 à 7 contre la région Languedoc-Roussillon, et donc la région Languedoc-Roussillon qui est éliminée du tournoi. L'Auvergne-Bourgogne est allé gagner 20 points à 11 contre le centre Val-de-Loire. Et la Champagne-Ardenne-Franche-Comté est allé perdre 22 à 10, ou plutôt 10 à 22 du coup, contre le Nord-Pas-de-Calais. Et donc là c'est très serré hein, pour l'instant. Sur le match Rhône-Alpes-PACA. Et on a vu à gauche un rouge, c'est un Rhône-Alpin. On a vu un Rhône-Alpin qui s'est crashé. Ça risque d'être un nouveau point PACA, même si ils sont là les Rhône-Alpins. Ça se joue à rien, à chaque fois ça se joue à rien. Je ne sais même pas comment commenter, parce que voilà, c'est tellement serré que ça change tout le temps. Mais il semblerait ici qu'il y ait un léger avantage pour la région PACA. Il faut que Fit batte Papou. Je vais me mettre sur Papou, peut-être que Fit va le battre, oui. Et ça suffira pas, vous le voyez en haut à droite. Voilà, les PACA qui prennent 2 points. Allez les gars, vous pouvez remonter encore là. Allez. Je pense qu'il stresse, il faut pas qu'il stresse. Et je ne sais quoi dire, tellement c'est serré. On voit ici hein, que les trois PACA sont légèrement devant les Rhône-Alpins, même si Zarox vient troubler un peu le groupe. Ça risque à nouveau d'être un point PACA.
il faudrait une petite erreur là du côté bleu, hein. ça nous arrangerait, on va pas se mentir. Mais ça va être compliqué, vous voyez, ils sont tous là les PACA, on a vu le quatrième. Et voilà, ils ont encore mis un point. Ah désolé. 3-0 pour la région PACA sur les 5 points à gagner. Ça s'annonce mal pour la région Rhône-Alpes. Go les gars, go Wafin. Allez go. C'est reparti pour le quatrième point. Espérons que celui-ci soit un peu montagnard. Qu'il ne soit pas trop méditerranéen. Ouais, je continue dans les clichés, ouais. Ah là là, ça s'annonce compliqué pour la région en Alpes. Oh là, la papou ici qui tente des trages plutôt serrés. Le joueur PACA. Je sais pas comment on dit les habitants du PACA. On dit les PACAYA. Ça m'étonnerait quand même. J'avoue que je n'ai pas d'idée. Ça pourrait être un poireau en alpin ici. Si il ne se foire pas, vous voyez ici en bas à droite. Putain. Peut-être que ça va être faisable. Nice, oh non! Un nice dans la merde, c'est drôle. Ah, dommage. Allez, dommage les gars, c'est pas grave, vous pouvez le faire là. Tant que s'ils sont pas à 5, c'est pas perdu. Hein. Ah, my bad. Si on avait pas tapé, on avait le point quoi. Allez, go go go. C'est pas grave, c'est pas grave. Focus, ça va le faire, vous refaites le même run, ça va le faire. Allez, c'est en persévérant qu'on y arrive. Et ils le savent, les Rhône-Alpins, ils le savent. Je vais changer un petit peu la cam, je vais la mettre sur Cocho pour voir le Boskin. Le Boskin blanc et violet, fait par Groove, rappelons-le. Qui d'ailleurs est aussi sur le dos de Zarox devant. Et sur le dos de Link là-bas. Non, c'est pas Link, c'est Fidé, excusez-moi. Oh, que c'est beau de voir cet amas de voitures. Cet amas de véhicules Rhône-Alpins, vous le voyez, c'est... Oh là 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 là. Ça rend bien, ça rend bien. Et pour l'instant, ça rend très bien, puisque, eh bien, ils sont tous devant, même si Zarox a fait une petite erreur ici. Allez, peut-être que ça va être un point à aller chercher, même si ça va être compliqué, puisqu'il y a trois bleus devant. Et non. Putain, mais le run où je fais de la merde, ça fait chier. Aïe, 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 aïe. Allez, encore un point, les gars, vous faites la remontada là. The Remontada, elle est pour vous les gars. C'est pas il faut y croire les gars. Allez, on y croit jusqu'au bout, jusqu'au bout. On donne tout. Allez, ça va être compliqué. Puisqu'ici on voit hein, tous les bleus sont là. Ils sont 2-3-4-5 sur les CP instantanés. Attention, voilà ici quand même Akosho qui tente de revenir un petit peu. Et ça a l'air de marcher, regardez. Il revient, il freine un peu plus tard, un peu différemment. Et voilà, il a doublé un bleu. Ça peut peut-être faire un point Rhône-Alpin. Ça peut peut-être faire un point Rhône-Alpin. Ça va dépendre de ce qui suit. Mais on a 3 Rhône-Alpin contre 2 PACA ici. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Allez, c'est le moment. C'est le moment de mettre un point. Oh, attention, non, Cocho! Non, Cocho! Dommage, Cocho. GG, les gars. GG. Franchement, c'était un super match, les gars. Oh, le mec, TFS, mais... C'était super serré, mais franchement, les gars, vous avez super bien joué. Bravo à vous, quand même. En vrai, c'était match, hein, y'a pas... C'est pas vous. Sick match, bravo. C'est fini, hein, le sans bracket, on peut encore bien changer. Exactement. Sans bracket, on remonte, là. Mais bien sûr. Évidemment. La prochaine, on regarde et puis voilà. Bon, moi je vous laisse, je vais aller travailler un peu ma PFS, la nouvelle, puis bonne soirée. Hein. Ouais. Ça marche. Allez, voilà, c'est donc fini pour ce match. L'équipe Rhône-Alpes qui va finir en loser bracket. Je sais pas où elle va apparaître dans le bracket, mais en tout cas, ça va être la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui va jouer contre la Normandie ou l'Aquitaine. Et la Rhône-Alpes qui va apparaître dans le loser bracket ici, au deuxième, à la deuxième colonne. On se donne rendez-vous dimanche prochain, j'espère cette fois-ci pas en retard.
pour pouvoir eh bien, commenter le prochain match de la région Rhône-Alpes. Donc voilà, j'espère que je serai pas en retard cette fois-ci. Et sur ce, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi le live. Thanks to follow the live so the PACA region won in front of the Rhône-Alpes region. Thanks for the bits again and for the follows everyone and I hope it will be it has been nice for you too. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à tous les abonnements, les bits comme j'ai dit en anglais, et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.